Le Royaume-Uni supprime les droits de douane sur les exportations de fleurs coupées pendant 2 ans. Cette décision constitue une victoire pour plusieurs pays d'Afrique de l'Est, le Kenya, l'Éthiopie, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda étant les principaux exportateurs de fleurs coupées du continent. Selon un avis publié par le gouvernement britannique, les fleurs d'Afrique de l'Est, en quantité illimitée, peuvent désormais être transportées vers le Royaume-Uni sans frais, même si elles passent par un pays tiers. Un détail important pour les producteurs qui vendent des fleurs par l'intermédiaire de maisons de vente aux enchères avant d'arriver au Royaume-Uni. Avant la suspension, les droits de douane sur les fleurs coupées s'élevaient à 8%. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Royaume-Uni à renforcer ses relations commerciales avec l'Afrique de l'Est. Pour le Rwanda, des pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne figurent parmi les principaux importateurs. Ces pays dépendant d'un climat favorable et d'une main-d'œuvre bon marché. L'industrie floricole rapporterait environ 460 millions de rands par an en valeur d'exportation à la Tanzanie et créerait environ plus de 4 000 emplois locaux tanzaniens.